Attendez, attendez, hein. Bon, c'est parti. Allez, les amis. Attendez, je vérifie, hein, parce que je suis obligé de vérifier. J'attends qu'ils me mettent une personne pour détecter tout. Parfait. C'est parti, les amis, pour le Pokémon vedette. Allez, on est parti. Et on va s'éclater. D'ailleurs, s'il y a du monde volontaire, il y aura des raids. J'actualise une dernière fois. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il va y avoir du changement. Il y aura du Kaninos et du Pokémon et du... Comment on appelle ça déjà? Et du Meltan. Alors ne crois pas que c'est ça par plaisir, mais j'ai pas le choix. Alors les amis, on veut le shiny ou on veut pas? C'est parti pour le shiny et pour l'événement. Et bonne chance à tous. Et d'ailleurs, s'il y a du monde, il y aura du raid. Ah oui, je vous prépare du bon raid là. Alors bien sûr, pas du légendaire parce que malheureusement, on ne sera pas assez. Sauf si on est assez. Allez, oui, je vais envoyer mon annonce d'ailleurs après. Avant de poursuivre l'événement, on va juste faire un arrêt pour voir qu'est-ce qu'on a comme Pokémon. Ah, super! Je rappelle que la puce à toile est doublée. Allez, on est parti. Finalement, après lui, ce sera l'autre classe. Oh, j'ai plus de 3000, hein. Je crois que j'ai 3000. Ou 2000, plus de 2500 combats à mon actif, hein, de sbires. Qu'est-ce que j'en ai fait des sbires? Les sbires, c'est trop bien de les faire en vrai. Même si vous n'avez pas besoin d'avoir des bonus. En plus, moi, ce qui est bien, c'est que j'en ai besoin pour mon prochain niveau. Et en plus, c'est grâce à ça que j'ai eu des 100%. Hein. Je crois qu'il y a 20% de Pokémon que j'ai eu en 100% grâce à l'événement. De toute façon, on a le temps pour l'événement, hein. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, on va plus utiliser d'ensemble. Ni de l'heure, parce que ça met trop longtemps. Ah oui, d'ailleurs, les l'heure de 3 heures. Hein. Pour ceux qui sont intéressés. Et pourquoi? Donc, allez. Sur la shiny, je serais hyper content là. Ah oui, d'ailleurs, on a beaucoup de Pokémon à dépenser. Hein. Ouf, fatigué, je vous dis pas. Hein. Le téléphone sera chargé, je vais un peu marcher. Ah ouais. Sur la maison.
Vous savoir quel est l'intérêt de faire des Kainos, alors que c'est quand même super intéressant. Il y en a. Déjà, ça va me faire plus de poussière d'étoile. Vous savez qu'en journée, c'est pas mal hein, de le faire. Hein. Vous imaginez si un jour gentil changeait l'horaire. Ah, ça serait cool. Ou quoi, l'événement durait 2 heures. Ça serait pas mal aussi. Bon, ça serait un peu dur aussi à gérer par contre. Allez, le shiny, on le veut. Et en plus, ça fait des bonbons, elle. Lui, je ne crois pas. Je ne sais plus si je l'ai en 100%. Je vais regarder après. En tout cas, Kainos, c'est un très bon feu. Hein. Très bon pour le PVP, d'ailleurs. On l'a souvent servi pour les coupes 1500. Ouais, parce que les coupes 1500 et les 2500, c'est uniquement les autres que je fais. On va dire clairement les choses. L'autre coupe, qui est illimitée, elle était bien, mais elle a des inconvénients. Et c'est la loi du plus fort. Plus riche et moi, j'aime bien quand on est limité. Bon, vite, on va attaquer. C'est vrai que ça nous prend beaucoup, hein. Alors attendez, je vais voir combien on a gagné de poussière d'étoile. Je vois que c'est bien doublé. Ouais, ouais, c'est bien ça, doublé. Évidemment, j'ai mis un méga feu pour avoir des plus bonbons. Ça, c'est super, hein, ce système. Tu mets un Pokémon méga, et en échange... On va essayer de le faire sans. Il est comme ça parce qu'il faut que j'en récupère. Pour moi, j'aurai l'occasion d'en récupérer grâce aux quêtes. Donc pour ceux qui savent pas, les quêtes, ça restera toujours un bon moyen de récupérer plein de... Oh, ça là. Bon, allez. Et les 10, on va commencer à mettre le... Je réfléchis.
l'emplacement de toutes les malles. Ok. Celle-là et celle-là. Ok. Ouais, c'est parfait. Je réfléchis en une nouvelle vidéo sur GTA. Concernant des malles cachées. Allez. C'est temps d'ouvrir la malle. Ah non, nous, c'est la malle de Meltan. Oui, parce que maintenant, il y aura ça tout le temps. On va désormais faire Meltan à chaque fois. Et en même temps, on n'a pas le choix parce que malheureusement... Il n'y a pas un point d'affichage, là? Ah non, voilà. C'est bon, ça marche. Nous, j'avais eu un bug. Maintenant, on est bien marqué. Alors, Meltan, comparé aux autres, apparaît beaucoup plus rapidement. Et ça nous donnera l'occasion de valider des quêtes aussi, en plus, là. Ah oui, il faut que j'allonge. Ok, donc en gros, le jeu fait tout pour que je dépense un maximum de super. Eh ouais, ça me plaît pas de juger, hein, Meltan, croyez-moi. Mais bon, c'est jamais, ça peut faire du 100%. Non, ça va. Allez. Placement des 10 malles. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'est bon, ça charge bien. Et tu, je suis pas là. Tu, je recharge pas, mais vu que là, comme vous le savez, il y a un problème de batterie. Sans ceux qui rateront le live, c'est pas grave, il y aura une rediff. 8h40, je vais faire un tweet pour annoncer que je suis en live. Et que s'il y en a qui sont intéressés, ils pourront toujours me dire qui veut que je les raid. Comme ça. Pas forcément qui est dans le monde de Pokémon, bien sûr. Hein. Facile, c'était le plus logique, c'est ça. Donc, on continue. Alors, c'est parti. En tout cas, de toute façon, s'il y a un raid, ça sera aux alentours de 18h30. Hein. De toute façon, j'ai pas de demande maintenant.
comprends pas pourquoi Niantic a enlevé le thème des enfants. Pas ça, je... Ok, donc on a bien des raids intéressants, sauf que ça intéresse, bien sûr. Allez. Pour l'instant, on survit. Vous voyez, il y a plus. Même si j'avais mis à l'heure, vous verrez plus de Beltan que de... Comment on appelle ça? Plus de Beltan que de Caninos. Voilà. Vous avez tué la boîte à une Poképièce née indisponible pour l'instant parce que j'ai encore le pass. Je rappelle que l'objectif d'avoir un jour Méthane 100% est toujours d'actualité. L'avantage, c'est que je peux faire 2 Méthane par semaine. Je peux en faire le mardi et le vendredi. Oui, parce qu'il faut quand même trouver un jour pour qu'après le mardi. Samedi peut-être, je crois. Non, je me risquerai pas de faire un Meltan. Allez. C'est trop bien Meltan quand même, moi je vous avoue. Vous vous rendez compte que c'est le seul Pokémon qu'on peut faire deux fois par semaine pendant une heure. Oui, les réserves c'est plus quand même. Mais pas les bols, ça va. On a encore une réserve. On a deux réserves en fait. Une que j'avais gardée dans les cas urgents, où il y en a 150. C'est pour mieux ou shiny. Allez. Alors là, si je ne vois pas le. Là, attendez. Franchement, je vais vraiment faire ma demande d'un Pokéstop ici. Et il y a peu de chances que quelqu'un me le supprime ce Pokéstop dans la mesure où je suis hyper actif. Et grâce à l'hyperactivité que j'ai du jeu, que j'ai eu justement tous ces Pokémon qui apparaissent. Sans ça, parce qu'avant, le seul endroit où il y avait beaucoup de Pokémon, c'était dans ce Pokéstop là-bas. Je haïssais ce jeu. Aujourd'hui, vous voyez, il y en a... avant, il remplissait deux cases, je crois. Et ça, c'était avant. Maintenant, l'avenir a bien changé. Et je suis trop content de ça. Bien sûr qu'on va faire tout pour vrai. Bien sûr qu'on veut des shiny. Demain, bien sûr, pas de live pour les légendaires, ce qui est normal. En général, il y a peu de monde. Et j'ai jamais eu de demande, en fait. Maintenant, j'essaie vraiment de le faire. Voilà. Hein? Attends, j'arrive.
toi. Oh. Il faut vraiment que je maintienne le mariage. Bon. Non, non, c'est bon, on est toujours. On est toujours connecté. C'est sympa ça. Et ça. S'il y avait une arène ici, s'il y avait une arène, je peux vous dire que je suis rentré à faire des raids. Le dimanche, je suis rentré deux parce que je me dis, je ne peux pas faire de raid, pas trop jouer. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Et je veux savoir comment je trouverai des joueurs, très simple. Un truc qui s'appelle Pokégénie. Je trouverai des joueurs facilement. Ou même mieux. Ici. Sur Twitch, j'aimerais bien trouver des joueurs là qui veulent faire du raid. Combien de bonbons tu fais avec Metal? Combien? Beaucoup. Bonbon, elle, je vous dis pas. De toute façon, c'est le seul Pokémon. Plus des légendaires, bien sûr, où tu peux avoir des bonbons L. On va tirer un petit bonus, ça fait bien.
0 tout à l'heure. Bon. C'est plus où j'en étais, mais excusez-moi, hein, c'est tout simple. Il y a des allées venues, il y a des gens qui viennent, il y en a qui partent. J'ai du mal à tout gérer. Mais bon, de toute façon, j'espère avoir d'autres. Je tente ma chance pour les Cadinos. C'est vrai que j'aimerais le faire en extérieur, ce live. Mais c'est impossible. On a trop de. Il faudrait être dans un lieu plus tranquille. Avoir une garantie. Bien. Pourquoi il a fallu que ça arrive maintenant? Bon. Bon, c'est bien, les écrans de vie commencent à revenir un peu. Vous savez que si j'avais. Si vous savez que si vous avez l'arme dans le jeu, vous avez plus juste à avoir un des gemmes d'Armagnan. Enfin, d'avoir des gemmes d'Armagnan, je veux dire. Je vais que les avoir un peu, mais surtout des rappels max. Et vous pensez qu'on va atteindre les 27 000, les 28 millions de poussières d'étoiles? Oui, il reste quand même 40, hein. Ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai eu des bugs. Bien. Toujours pas. Nos réserves. En tout cas, nos réserves se portent bien parce que regardez, on va activer le bonus. T'as combien de bonus à déclencher? Un seul.
Eh oui. On a fait le Caïminus, nous, d'ailleurs, c'est son point courant. Eh oui, parce que l'événement, là, qu'on a eu, là, qui était par là, bien sûr. Eh, bonjour! Bonjour à toi, Francine. Bienvenue pour ce live. Installe-toi. On est en plein événement. J'espère que le micro est assez fort. Et qu'on m'entende bien. On est en plein événement Kalinos. Et moi, j'active même Meltan. Toi aussi, tu es un joueur de Pokémon Go. Bien. On poursuit. On veut le shiny, les amis. Hein. On veut le shiny. Meltan, on l'aura pas, mais Kalinos. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je suis obligé d'utiliser Meltan. Ah, tu joues parfait. Eh bien, tu tombes. Alors, s'il y a un raid qui t'intéresse, on peut le faire si tu veux. Je propose aussi des raids de temps en temps pour ceux que ça intéresse. Là je fais Meltan parce que ça permet d'avoir le 100%, mais en plus ça permet de combler le vide. Parce que même avec un lanceur, il n'y en a pas beaucoup qui apparaissent. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. On va comme le faire, lui. On va capturer pour l'événement. Et d'ailleurs, on profite pour ta... Et en plus, l'événement actuel qui est de 18h à 19h, il y a un bonus de poussière d'étoile. On doit en avoir 100, minimum, on va 200, voire plus. Allez, on continue le défi de collection. Allez, un excellent. Allez. Bien. Allez, nous poursuivons l'aventure. Ah, ça demande beaucoup de... Attends, pourquoi il y a... Ah oui, c'est vrai. Bon, Meltan, on peut. Là, je vais le finir parce que... Je pense que c'est Caïminus. Ah ouais, c'est vrai, il y avait Léviator. Ah oui, c'est vrai, on m'avait dit ça. Et merci pour le follow, c'est très gentil à toi. Pas mal, on va quand même le garder, lui. Allez, on le garde. Ah, attendez. Deux Kalinos. Allez, un shiny. Non, pas de shiny. Ah oui, j'en profite pour annoncer une astuce qui marche très bien, c'est que si je n'utilise pas de Banana, c'est parce que j'ai activé Méga, comment ça s'appelle? Attendez.
J'ai activé un méga feu. Alors, ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Ok, ça c'est pour après. Bon, bref, c'est pas grave, je vais dire. J'active un Pokémon méga qui est feu. Ah voilà, méga des molosses. C'est un Pokémon qui me. Qui. Comme il est. Ça booste les attaques, mais ça fait des bonbons. Meltan, là, c'est sûr, ça ne fait rien. C'est pour ça que. J'ai activé un méga. Ça permet d'avoir du ténèbre et du feu. Mais là où ça devient intéressant, chers amis, parce que certains d'entre vous me l'ont demandé la dernière fois, ça permet aussi que quand il y a. Que comme là, j'ai même pas besoin d'utiliser des bananes, ça me fait des bonus. Et à chaque Come Today, je fais ça. Et c'est des raisons pour lesquelles tous mes lémés. J'ai Florizarre là. Actuellement, j'ai tout le monde en méga, ça y est. J'ai eu assez de gemmes. Allez, nous. Je vois, c'est pas un peu plus terrible. Non. Allez, il reste 20 minutes. À... Attends, 20 minutes pour l'événement. Mais 30 minutes pour Meltan. C'est ça. Ah, le code ami. Attends, je vais te le passer. Alors. Tu tombes bien. Alors voilà comment ça marche. Alors avec moi, il faut savoir que quand j'ajoute quelqu'un, il faudra que j'ai deux comptes. Pokémon Go, ce qui me permet justement de gérer les amis. Donc, et ceux qui me suivent. Donc en gros, je vais t'ajouter sur mon compte secondaire. Pourquoi sur mon compte secondaire? C'est parce qu'il est niveau 39 d'abord pour commencer. Et en plus, c'est quand on fait des raids, ça permet de mieux gérer les amis. Et ceux qui sont et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Twitch. Comme ça, en plus vous êtes marqués par. Vous êtes au moins 40 je crois maintenant hein, de. Sur Twitch que j'ai ajouté. Donc je vais te le passer tout de suite. Alors attends, voilà le code. Voilà, t'as vu, code ami. D'ailleurs, si je le marque pas dans ma bio, c'est parce que je n'ajoute pas n'importe qui. J'ajoute que ceux qui me suivent, que ceux qui méritent. Parce que pour pas tomber, ça je sais qui est qui. Donc, ça, je vérifie. 25. Voilà le code ami. Passé. Donc dès que c'est fait, tu me le dis. Allez, ça prend le temps, de toute façon. Allez, Caninos. Et sur pas de shiny. De toute façon, les shiny, c'est bon. Alors, attends, je vais vérifier ça tout de suite. Alors, attends, je vais... Parfait. Alors, ça fait plaisir. Que ton pseudo est le même que dans Pokémon Go. Ça, ça fait vraiment plaisir. Je vais mettre le même. C'est plus pratique en plus. Alors, une minute. Alors, pour commencer, il faut savoir que. En surnom, il va. De toute façon, tout le monde que j'ajoute, je leur marque en surnom Twitch. Ça, je sais d'où ils viennent. Ah, et bien sûr, hein. Force pas m'envoyer de cadeau, mais ça me fait plaisir de t'envoyer ça. Attends. Attends un peu.
Je fais un truc. Voilà, ça c'est fait. Et non, toujours pas bon. Ouais, ça que je voulais faire. Et voilà. Et un petit cadeau de bienvenue. Ça me fait plaisir. Ça se mérite. Voilà, j'ai envoyé un cadeau. Ouf. Voilà. Normalement, c'est bon. Allez, on continue Meltan. Voilà, normalement c'est bon, j'étais ajouté en ami. Enfin, c'est bon, je veux dire, j'ai validé. Et je t'ai mis en pseudo Twitch. Enfin, en surnom Twitch. De toute façon, si je rate Meltan, un ou deux Meltan, c'est pas grave, hein, maintenant on peut parler parce que... Si je veux, je peux toujours refaire vendredi, hein, les Meltan. Il faut 3 jours. Hein. Donc, excusez-moi, je sais plus où j'en étais. Ah voilà. Là, ça va. Toujours pas, évidemment. C'est vrai que j'ai une chance. C'est quoi ton pseudo pour que je t'envoie? Alors, je t'ai envoyé. Alors, faut savoir une chose. J'ai fait le choix de ne jamais ajouter quelqu'un. C'est-à-dire que ceux que je connais, je les ajoute dans la vie IRL. Parce qu'après, c'est pour les cadeaux que je gère. Mais ça y est, je t'ai envoyé. Alors, je t'explique. Le pseudo Cara Morgan YT, c'est moi. Enfin, c'est mon pseudo secondaire. Je l'ai créé exprès pour ça. Pour justement mieux gérer. Pour justement mieux gérer les invites. C'est pour ça que c'est le pseudo. Donc, si c'est bon, j'ai dû t'ajouter là. Là, c'est bon, je t'ai ajouté, hein. Ça y est. En fait, je n'ajoute personne sur de Twitch avec ce compte. Parce que le deuxième compte, je l'ai. C'est mon deuxième appareil qui est à côté de moi. Et ça me permet de mieux gérer. Quand on fait des raids à distance, je peux appeler. Parce que je ne peux pas gérer ceux qui me suivent et les gens que j'ai en ami. Parce que le problème, c'est que j'ai déjà plus de 200 personnes. Et c'est chaud à gérer. C'est pour ça que le fait d'avoir un autre... Ouais, zut. Bon, mes parents, on va faire lui aussi. Bon, il est pas intéressant.
Mais c'est bon, de toute façon, je t'ai marqué, hein. Voilà pourquoi je ne peux pas jeter du monde, parce que... Attendez. Il y a tellement de... Ça apparaît. Ah, ça, c'est du bon PC. Pas mal. Allez, c'est parti. Eh ouais, ça en fait des amis. Attends, est-ce qu'il y a Meltan là ou pas? Non, pas encore. Allez, encore Meltan. De toute façon, mon objectif c'est d'avoir un bon. Et quand je dis, c'est pas un... J'avais un 100% de chip. Bref. Jour où j'aurai 100 Pokémon 100%, là on le fêtera parce qu'il y en a. Allez. Ah, qu'est-ce que je m'amuse. Je vous dis pas comme je m'éclate à cet événement. Quand je pense que tout a commencé grâce à Pokémon sur Twitch. Ah, je dois quitter, j'arrête dans ce... Ok, y a pas de souci. Merci en tout cas. Et bienvenue dans la team. Mais il se pourrait que dans 10 minutes... Ah non, non, ça va, je serai encore là normalement. Parce que j'arrive à 19h15. Enfin, c'est à l'heure que je vais m'arrêter. Ah, c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes sur Twitch. Y a pas à dire cette plateforme, elle est vraiment géniale. Y a que des gens super sympas. Vraiment des gens super sympas. Moi aussi, j'en ai fait des gens. En plus, c'est grâce à ça. En plus, le nombre de joueurs qui jouent à Pokémon Go, ça fait vraiment plaisir. Ah oui, d'ailleurs, on va commencer après. On va jouer le défi de collection. En tout cas, je remercierai jamais assez les gens qui viennent. Non, mais il y a vraiment des gens cool, réellement. La communauté Pokémon Go est très sympa.
Bien. Il reste plus beaucoup de temps. Alors, je peux avoir quelques casinos, je dis pas non. De toute façon, pour ça, il nous restera quoi? Les amis à utiliser, enfin les cadeaux. Et ça, on en a beaucoup, hein. C'est de moitié des béframbis. Le défi de collection, lui, sera pas trop dur à finir. Hein. Lui aussi pas shiny. Un truc bientôt à 100%. Bon, en tout cas, je suis ravi de voir que cette aventure passe plutôt bien. En tout cas, il n'y a que du positif hein, sur cet événement. Des shiny, il n'y en a pas eu, c'est vrai, mais au moins Meltan il est bien. Bien sûr, cette prochaine, je pourrais qu'il n'y ait pas de live, mais j'essaie d'en faire cette semaine. Je sais pas si ce soit sur d'autres jeux d'ailleurs. Mais pour ceux que ça intéresse, après ce live, il y aura la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Ah oui, c'est prévu ça. Allez, un scagnos. Eh non, pas de shiny. À 100%, ce serait le top, hein. Ah oui, je vais tomber mon tweet là. C'est terrible. Bon. On va commencer à chercher. On commence à voir pour le raid. On va rester en catégorie Pokémon, et pas en Pokémon Go par contre. Bon. Alors, est-ce qu'il fait un truc?
En tout cas, j'aurais voulu un shiny, mais non. Bien sûr que plus tard, j'ai le projet de streamer en extérieur. Alors, quand j'ai streamé, je veux dire streamer Pokémon Go en extérieur. Et dire, il faut partager à quel point en extérieur. Il faut partager le parc que je fréquente. Où il y a 8 arènes, 40. Ok, stop, et sans compter les arènes, bien sûr, hein, je pense. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits quand je marche, je me trouve sans Pokéstop. Je trouve que ça a beaucoup augmenté, hein. C'est quoi? La priorité c'est comme Kalino, ça. De toute façon, je rappelle pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est là où tous les streamers vont maintenant pour partager leur actualité quand on stream. De toute façon, à chaque fois que je stream, ça va directement sur Twitter. Mais non. Bon, ben, il n'y en a plus. Je vois combien d'objets nous reste. Terminé Kalinos, mais c'est pas terminé Meltan, donc on continue jusqu'à 19h15 on a dit. C'est moi que je me suis fixé. Enfin, 19h15 c'est le temps qu'on finisse tout. Pour ceux qui connaissent bien le monde de Twitch, savent qu'à la fin de chaque live, on fait ce qu'on appelle un raid. Allez, il reste 10 minutes pour Meltan, on continue. Ne vous inquiétez pas, j'ai largement assez de réserves. Non, trop de monde. Juste que je vais voir combien y a-t-il de... Ah, évidemment, on me l'a viré celui-là. Non, c'est pas ici en tout cas. Oui, on a plus de 9000 bonbons déjà. Bien, nous continuons jusqu'au bout là.
Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pendant cet événement, les leurres durent 3 heures. Alors peut-être. Merci. Ah ben merci de me dire que t'es revenu, c'est sympa. T'arrives vers la fin par contre. Hein. Jusqu'à 19h15, j'arrête le live. Le temps de finir Meltan et tous les autres Pokémon que je capture, plus... Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. De toute façon, en général, le mardi, c'est comme ça parce que. En général, il y a trois plages horaires. Soit 19h15, soit 19h30. Ça dépend. Après, bien sûr, on va faire la tradition dans ce jeu Pokémon, c'est-à-dire. Raid chez quelqu'un. Il reste 5 minutes pour Meltan. Je vais faire Monsieur Mime, comme ça c'est fait. Quand je pense que nous l'avons en France. Et puis il y a même des étrangers qui viennent chez nous. Surtout pour essayer de l'avoir celui-là. Pareil, on va à l'étranger. D'ailleurs, un jour, je vous montrerai tous mes régionaux que j'ai. Parce que oui, j'en ai un. Hein. Qui est connecté actuellement là? Cherche des streamers. Des petits bien sûr. Hein. Bon, qui est en live actuellement? Faut que je trouve quelqu'un en live, de gentil, de cool. De toute façon, j'ai coupé les sons. Qui me permet en cas de... Une minute. Ah oui, c'est vrai, j'ai laissé le haut-parleur chez quelqu'un. Alors ici, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé. J'ai pas coupé son micro. Bon. Et je crois bien que la... Non. Inapte. Parfait, 100%. Et comme le dit à chaque fois, non, ne joue pas pendant que tu manges le téléphone. Mais bon, malheureusement, on peut pas toujours faire comme on veut hein, quand on joue à Pokémon Go. Non, mal. Alors, c'est prévu. Quand je marque qu'il y a un raid, c'est que si il y a des volontaires qui veulent le faire. Mais là, on va pas le faire. On essaiera une prochaine fois. Reste, je le propose au cas où il y en a qui veulent le faire. Bien sûr, du choix, il y en a. Hein. Il y a du choix.
Il y a beaucoup de choix même. J'ai la chance qu'il y a pas mal d'arènes autour de moi. Je serai encore plus heureux s'il y avait une arène devant chez moi. Enfin, ça, c'est vraiment le top. Les gens, ils ont deux arènes qu'ils peuvent capter. Ils peuvent se placer en arène, c'est-à-dire avoir leur pièce. Et en plus, ils ont un autre bonus que j'adore. Ils peuvent faire, il faut avoir leur pièce tous les jours et faire des raids tous les jours s'ils le souhaitent, sans bouger de chez eux. Mais ça sera, t'inquiète pas, une prochaine fois. Hein. Faut que je vois quand je stream la prochaine fois. De toute façon, je le dis à chaque fois, mais. De toute façon, tu le verras dans les notifications. Et d'ailleurs, je ne fais pas que du Pokémon Go, aussi du GTA, je précise. Attends. Mais bon, GTA, j'en fais pas beaucoup. Hein. Alors, qui est connecté? Qui est en live actuellement? Bon, je me demande qui est en live, c'était difficile à trouver. Parce que personne ne m'a répondu tout à l'heure, hein, quand j'ai envoyé le message sur Twitter. Bon, on va chercher quelqu'un. En tant qu'on continue à finir ça. On va chercher quelqu'un dans Pokémon. Légende Arceus. Évidemment, je n'ai pas ce jeu. Mais je vais chercher quelqu'un dans ce monde. On sait ou Pokémon Arceus ou un autre. Ou attends, sur qui on a. Alors, là, ça, c'est qui? Non, trop d'abonnés. Bon, il nous reste encore un peu de temps. Le dernier Meltan, et après il disparaît. Non, sûr. Bon, il y a trop de monde sur ce jeu. Bon, cherchons quelqu'un sur l'autre jeu Pokémon. Il y a pas mal de français, je trouve, hein, sur Pokémon. Sur Pokémon Diamant et Perle. Attendez, je retourne sur mon écran. Bon. Je cherchais quoi, excusez-moi. Ah oui, voilà. Ouh! Shiny! Ah, Shiny, tiens. On doit passer dans un peu de temps. Normalement, lui, c'est un clic d'envoi. Ce soir, ok. Bon, évidemment, personne dans ce secteur. Allez, on continue. Alors, qui va nous streamer actuellement? Allez, montrez-moi un petit streamer. Pas un grand, bien sûr. Non. Bon. Moi, je crois que quelqu'un, vous inquiétez pas. Ouais, merci. C'est pas trop un shiny comme ça. Pas beaucoup, mais bon. Donc, on va finir avec ça. Et moi, de mon côté, je vais faire un maximum d'ouverture de cadeaux parce que. Allez, je vais juste trouver quelqu'un maintenant. Il faut qu'on trouve quelqu'un un peu raide. Peut-être pas compliqué si possible. Non. T'as raison. Il n'y a que des personnes qui sont déjà affiliées. Elle cherche une personne qui n'est pas affiliée, justement. Peut-être lui, mais je crois pas.
Pas dans ce cas-là. Non, trop. Trop de. De followers dessus. Non, il a un cas lui. Sur mes réserves de followers, ça j'aime pas. Ah, c'est la perception que j'aime pas. J'aime pas les gens qui mettent. Bon, dans ce cas-là, on va aller voir la geek en rose. C'est moi que je connais bien. On va une dernière fois. Sauf si c'est une sélection. Ouais, non, c'est la seule. Hein. Tant pis, hein. C'est la vie. Attends, je me prends une dernière chance. Je trouve quelqu'un ce que c'est. Bon, bah les amis, on va devoir s'arrêter, mais on va. Je trouve personne à raid. On va aller chez quelqu'un qu'on connaît bien. Et qu'on a déjà. Allez. Merci à tous, c'était vraiment super. Là, il y aura normalement la rediffusion là sur Twitch. Allez tout le monde.